Je vais vous demander de respirer trois fois. Une fois au début, une fois au milieu, une fois à la fin. Et j'ai commencé à monter, 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 monter. D'abord le paysage qui se brouille autour de moi, et puis mon souffle qui devient oppressé, et puis un vent froid et furieux dans mes oreilles, et puis cette peur, de plus en plus vite, oui, cette peur de me fracasser la tête contre le plafond de pierre, et puis il y a eu un brusque arrêt. Et j'ai enfin senti la terre ferme sous mes pieds. Mais alors vous me comprenez, Seigneur, que puis-je faire? C'est mon premier barreau sur mon échelle de la connaissance, la curiosité. C'est le petit vieux qui parle aux nuages, qui me l'a dit, je peux pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi. Moi, dès qu'on me dit, il n'y a plus rien à voir, je n'ai qu'une envie, c'est d'y mettre mon nez. Dès qu'on me dit, tout est fini, je n'ai qu'une envie, c'est d'inventer la suite. Sur le troisième monde, j'ai connu le retournement. Tout était plongé dans une nuit qu'une pauvre lune en lanterne essayait d'éclairer. J'ai marché, 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 mes pieds laissant dans la poussière une empreinte volatile. Tout était froid, tout était désert. Soudain, mu par une impulsion subite, je me lève et je marche d'un pas décidé vers l'horrible femme qui a le dos tourné et qui s'apprête à envoyer dans les airs une note meurtrière. Je lui arrache son épée et je lui tranche la tête qui s'en va rouler par terre dans une grimace affreuse. Et je vois passer des secondes énormes, toute ronde, toute jolie, toute douce. Je pouvais jouer avec le temps qui passe.